Voilà, Gauvin Serz a écrit une chanson, il cherche une musique. Je pense que Gauvin et Renaud, il y a quelque chose à pointance, dirons-nous. Moi, j'ai fait un mélange, j'ai pris la musique de Renaud, les paroles de Gauvin et l'interprétation de Fabix. Et puis, on va voir ce que vous en pensez, ce qu'il en pensera, lui. La chanson s'appelle En quarantaine. Partout les chaises sont empilées, partout les rideaux sont tirés, les salles de classe ressemblent toutes à ce qu'elles seront au mois d'août. Les paquets de pâtes italiennes ont déserté tous les rayons, comme s'il fallait qu'on se souvienne que la peur réveille les couillons. Excepté la bêtise humaine, nous voilà tous en quarantaine. Certains rallument la chaîne Ifi, savourent un album en entier. Certains ressortent le manuscrit qu'elles ont jamais pu achever. Les confinés relisent très vert, les confinis se serrent la main. On a toujours besoin d'une guerre pour démasquer les êtres humains. Comme le cargo du capitaine, voilà tout son quarantaine. Les impatients trinquent à distance par vidéo interposée. Les solidaires matent à outrance n'importe quel docté révisé. S'il y a des concerts aux fenêtres et des coups de fil à nos grands-mères, c'est goût qu'au bout du gouffre peut naître les plus élans, les plus beaux élans solidaires. Moi qui viens de passer la trentaine, je fais un saut en quarantaine. Les marchés s'effondrent un peu plus et les costards retroussent les manches. Il fallait bien au moins ce virus pour qu'on s'occupe des blouses blanches. Comme la bataille est immédiate et malgré le manque de moyens, c'est le stéthoscope en cravate que les docteurs sont nos anciens. Il serait temps qu'on s'en souvienne, on prendra fin la quarantaine. Cadeau.